Donc, avant de commencer la vidéo, je vous présente Barça Shop. C'est un site de vente en ligne qui vend tout ce qui est en rapport avec le FC Barcelone. Il y a pratiquement tout ce que vous voulez pour supporter le Barça. Chaussures, casquettes, bonnets, maillots, et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle est qu'il livre partout. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, le premier. Suivez les instructions et passez votre commande. C'est très simple à faire et ça va surtout aider la chaîne. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Énième défaite du FC Barcelone, et toujours de la même façon, ça fait maintenant 5 matchs. 5 matchs que le FC Barcelone n'a plus gagné en Ligue des Champions. Ça avait commencé avec la Juve, ensuite le Paris Saint-Germain, au match aller. Au match retour, on a fait nul. Cette saison, face au Bayern Munich, on a perdu. Et aujourd'hui, 5 matchs que le FC Barcelone n'a plus gagné. Et la dernière fois qu'on avait gagné en Ligue des Champions, c'était face au Ferencváros. Aujourd'hui donc, on perd. Et ça fait très mal. C'est des statistiques qui ne sont pas dignes d'une équipe comme le Barça. On conjugue maintenant le Barça avec la défaite. Maintenant, Barça égale défaite ou égale nul. On gagne plus. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Et maintenant, en Ligue des Champions, on est dernier avec 0 points, 6 buts encaissés et 0 marqué. Donc, la seule décision à prendre, c'est de virer Coman non seulement, mais également le consort à Piqué qui joue 30 minutes et qui sort. Busquets, Sergi Roberto qui n'a pas d'importance, Jordi Alba, je l'oublie pas. Et quand tu as des jeunes talentueux comme Riqui Puig, tu le fais pas jouer parce que tu l'utilises pour régler tes comptes avec Laporta. Franchement, moi je m'inquiète. Et à chaque fois, on dit que le Barça est en période de transition, reconstruction pour être plus juste. Est-ce que j'ai du mal à comprendre et qu'on veut reconstruire le Barça avec les mêmes briques qui datent depuis 2008, certains depuis 2006, à l'époque de Eto'o? C'est quoi le projet? Voir ce Barça me fait très mal. Ça me fait très mal. Et là, pour débriefer un match, il faut savoir ce que tu dis. Quelles leçons tirer de ce match? Absolument rien. On n'a rien à dire. On est juste nul. On doit l'assumer et l'accepter. Changer ce coach ne suffit pas. Il faut balayer les anciens et donner de la confiance aux jeunes. C'est comme ça on travaille. On ne peut pas toujours compter sur des Busquets. Sergi Roberto, l'intensité que demande la Ligue des Champions, c'est pas Busquets qui va le donner. C'est pas Piqué qui va le donner. Ils ont chacun plus de 30 ans. Est-ce qu'on dit en Wolof, la nourriture qui sera agréable à manger doit forcément sentir bon à la cuisson? C'est ce qu'on dit au Sénégal. Maintenant, et là vous allez me comprendre, c'est pas le passionné qui parle, c'est le supporter du FC Barcelone. Et c'est tellement triste de voir le Barça chaque année, à chaque fois les mêmes scores, 3-0 par-ci, 4 buts à 0 par-là. Maintenant, la seule information que j'attends, c'est merci pour rien et bonne chance. Je pense qu'il va pas continuer. S'il continue, ça sera pour quel but? Pour gagner quoi? Et je l'avais dit dans une vidéo, je n'espère absolument rien cette saison. Même si on vire Koeman, tant qu'on n'engage pas un entraîneur qui lui est supérieur, ça sera toujours pareil. Il nous faut un entraîneur qui sera capable de mettre Busquets sur le banc, Piqué sur le banc, Sergi Roberto sur le banc, Alba sur le banc, ou même les vendre. C'est désolant, franchement. Là, je n'ai pas de mots, je n'ai rien à dire. C'est vrai que le Benfica a une belle équipe, mais quand même, c'est le Barça en face. On vaut quoi actuellement? Tout le monde se moque de nous. On est juste nul, faut le dire. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.